Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu voir dans le titre, c'est unboxing fil d'art encore, oui. Ah. Alors attention, aujourd'hui j'ai Bobo. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. Chouchou voulait nettoyer son aquarium, enfin c'est un tout petit aquarium hein, qu'on a. Par rapport à ce qu'on avait avant, c'est un 40 litres, 50 litres qu'on a, donc c'est un tout petit. Et, mais bon, il verdit très souvent. Mais bon, je lui ai dit, il faut qu'on change de place parce que nous, il y a dans la cuisine, on a un Velux. Et donc, il y a trop de lumière pour l'aquarium. Donc ce matin, on l'a changé de place, mais bon, pour le changer, on l'a vidé. J'ai profité pour nettoyer à fond les cailloux, le gravier et tout. Et quand j'ai voulu nettoyer les vitres à l'intérieur de l'aquarium, donc on l'avait posé sur la table, je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, mais je me suis croquée une ou deux côtes, donc là, derrière. Oups. Donc en faisant donc j'ai mon mouvement et je sais pas ce que j'ai fait, mais alors j'ai un mal. Oh, un mal de chien. Ça tombe le week-end hein, bien sûr. Donc Chouchou il me dit bah, faut qu'il voir le médecin. Bah ouais, mais bon, là demain c'est samedi. Après non, c'est aujourd'hui samedi. Je ne sais même plus comment on vit. Enfin bon, là c'est le week-end donc c'est foutu pour aller voir le médecin. Je vais prendre du Doliprane, ça ira. Mais ce qui fait que là, impossible de rien faire depuis. Donc je suis dans mon fauteuil en train de tricoter. J'aurais rien su faire d'autre. Pas de cartonnage, pas de bricolage, pas rien, rien. J'ai juste fait un petit gâteau, un pain de chien comme on dit dans le Nord. un pudding au pain, voilà, c'est tout ce que j'ai fait. On verra demain, ça ira peut-être mieux, mais bon. Donc voilà, j'ai reçu un petit colis. Heureusement, il est léger de chez Fildar. Alors, vous allez me dire pourquoi j'ai déjà recommandé de la laine chez Fildar alors que j'ai pas terminé mon pull. Parce que là, il y avait encore des promos sur Fil d'Art et elle s'arrêtait le 26. Voilà. Le 26 au soir, la promo s'arrêtait. Et puis, bon, c'est vrai qu'il y a des laines chez Fil d'Art qui ne sont pas gratuites, hein, qui ne sont pas pour rien. Donc, j'ai profité de la promo pour faire ceci. Donc toujours dans ce livre là, le fil d'art fil multicosse et compagnie, celui que je vous fais gagner dans le concours que je vous ai mis en place dans le précédent unboxing fil d'art. Alors il est où mon truc? Ah, je crois que c'est le premier. Voilà, oui, là, je vais prendre la grande photo, ça ira mieux, hein. Vous verrez mieux. Voilà, c'est pour me faire ça. Cette veste-là. Alors, à la base, je voulais faire celle-ci. Elle est où? Voilà, je voulais faire celle-ci, qui se faisait avec des aiguilles numéro 15. Donc là, ça aurait été...
En 4-5 jours, c'était bouclé, hein, ça aurait été fait. Mais il y avait, je crois que beaucoup ont aimé parce que rupture de stock sur toutes les couleurs. Donc, je verrai quand ils remettront du stock. Voilà. Donc, je me suis rabattue donc, sur celui-là. Je vous remontre. Voilà. Mais pas dans cette couleur-là, je vais vous le montrer. Parce que toutes les couleurs, là, pour ce gilet-là, elles n'étaient pas en promo. Donc, j'ai pris la couleur qui était en promo. Elle était à 30%. Bon, si celle-là aurait été en promo, j'aurais pris celle-là. Il y avait celle-là qui me plaisait bien et une rouge, mais la rouge n'était pas en promo non plus. Donc, donc je vais vous montrer. Là, c'est la Fil Dolce Vita. Voilà, celle-là, la couleur, c'est sorbet. Mais bon, elle n'est pas en promo, elle n'est pas en promo. Hein, voilà. Mais j'aime bien celle que j'ai prise. Voilà, donc c'est la couleur Harlequin. Voilà, c'est celle-ci. Alors, désolé, hein, ça, vous allez voir l'envers, mais ce que je viens de vous dire, Fil Dolce Vita, voilà. Alors, je vous montre la couleur. On dirait un nounours, on dirait un nounours. Alors, allez, je vais vous montrer un fil. Voilà. Un fil, voyez. Et elle se tricote, malgré que le fil est fin, elle se tricote en numéro 7. Voilà, le modèle se fait en numéro 7. Alors, c'est une mohair. Alors, c'est de la... Là. Okay. C'est marqué où? Alors, 60% de mohair, 35% de laine et 6% de polyamide. Je ne sais même plus lire. Voilà. Mais je vous jure, c'est parce que là, vous l'avez à l'écran, mais... Oh, elle est douce. Oh. Toute douce. Donc, j'ai craqué dessus. Alors, la mohair, c'est très, très, très rare que j'en... que j'en ai tricoté. Bon, là, en numéro 7, il n'y aura pas de problème. Hein. Je retire un fil pour vous montrer. Viens par ici, toi. Hop, hop, hop. Voilà. Voyez. Voyez, c'est vraiment très fin. Avec plein de nounous autour. Donc, au lavage, alors, ils disent... Alors, c'est la consigne d'entretien au verso. Donc, il faudrait que je regarde. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ça ne se lave qu'à la main. Oui, parce qu'à la machine du mohair, vous ressortez la veste, c'est une serpillière. Donc, ça ne se lave qu'à la main. Pas de repassage, pas de produit, rien, pas de machine, voilà. Donc c'est là, hop, ben voilà, l'étiquette est partie. Matière noble, fragile. Pour garantir la qualité de votre matière, un lavage rapide, main à l'eau tiède, est impératif. Ne pas laisser détremper l'ouvrage trop longtemps dans l'eau, rincer à l'eau claire, sans tordre la matière, sèche-linge interdit, sécher impérativement à plat dans un endroit bien ventilé. L'ouvrage reprendra sa forme après séchage. Voilà. Donc, comment ça se refermait ça, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est le genre de vêtement que il va falloir faire super attention au moment du nettoyage.
Mais bon, fera la main, hein. Voilà. Et encore l'eau tiède, ça va être vraiment très très tiède, plutôt du côté du froid. Hein. Alors, j'en ai pris. J'en ai pris combien? Je vais regarder sur le modèle. Alors, je suis repartie du coup sur le taille 50-52. Mais là, bon, je verrai ce que ça donne. Hein, si je fais 46-48 ou 50-52, je verrai en faisant mon petit échantillon. À ce moment-là, là, je ne vais pas le faire tout de suite. Hein, mon pull n'est pas terminé. Il me fallait 9 pelotes. Voilà, donc j'ai pris 9 pelotes. Je vous remarque le prix en bas. Je vais vous mettre le prix où moi, je l'ai eu avec la promo. Et je vais vous mettre le prix de vente actuel, le prix normal. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4. Mince. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord. Ma mince. J'avais mis un deuxième article dans mon panier et j'étais persuadée de l'avoir retiré. J'ai pas fait attention au prix quand j'ai payé, alors. Ben, ouais. J'ai pas fait gaffe. Ah mince. Enfin bon, je m'en. J'arriverai bien à en faire quelque chose. Hein. Je chercherai, je regarderai sur le site qu'est-ce qu'on peut faire avec cette laine. Alors, ça, c'est des laines pas chères qui sont sur le site. Alors là, je ne sais pas si elles sont encore à ce prix-là ou si c'est des lots. Qui sont toujours à ce prix-là. C'était prix mini. Pour les 10 pelotes, c'était 15,99 €. Donc voilà, ça faisait 1,50 €, 1,60 € à peu près pour une pelote, mais si on les prenait par 10. Si vous les preniez toutes seules, elle faisait 1,73 €, je crois, la pelote. Donc, moi, j'avais mis dans mon panier ben, le lot de 10. Puis après, j'avais dit, je vais l'enlever. Et puis, j'ai oublié. Bon, ben, c'est rien. Parce que, bon, par 10, il faut que je vois ce que je peux me faire avec. Alors, je vais vous montrer. Parce que, bon, ben, du coup, je ne vais pas les renvoyer, hein. Je verrai bien ce que. Alors, voilà. Donc, j'avais choisi cette couleur-là. Il y avait plusieurs couleurs, hein. Donc ça c'était la couleur lin. Ouais. Alors ça se tricote comment ça? Avec du 4, donc ça va, c'est pas trop fin. Ouais, 3,5-4. Donc là c'est une laine tout à fait simple, normale. Elle s'appelle Charlie. Il y a plusieurs couleurs, hein. Il y a du jaune, du orange, du rose, du rouge, du bleu, du blanc. Là, il y a plein de couleurs. Donc, j'en ai 10 comme ça. Ben, je vais voir ce que je vais en faire. Je ne sais pas trop, du coup. À moins que je garde pour faire quelque chose pour Chouchou. Et si je vois que j'ai pas assez, j'en recommanderai. Parce que, mais bon, il faut que je tombe dans le même bain. Parce que là, je suis en 160. Parce qu'elles sont bien toutes dans le même bain. Quand c'est des lots comme ça. Oui. 168. 168. 168. Oui, elles ont toutes le même bain. Alors, celles qui ne connaissent pas. J'en avais déjà parlé pour le Diamond Painting. Quand vous achetez de la laine,
comme ça, bon, quand vous achetez sur le site internet, c'est eux qui font attention, normalement, de vous envoyer toutes les pelotes qui viennent du même bain. Ici, vous avez un chiffre. Voilà, là, c'est à l'envers, j'en suis désolée. Donc là, c'est 168. Ça veut dire que c'est le bain numéro 168. Donc, quand vous achetez, et même quand vous achetez votre laine chez Action, chez Zeman, hein, faites bien attention à ça. Il faut que vous achetiez, par exemple, si vous prenez 10 pelotes, que vos 10 pelotes, elles aient bien le même numéro ici. Voilà. Sinon, vous allez avoir un décalage de couleur, hein, donc, quand vous allez tricoter. Voilà. Oui, parce que. Alors, par contre, dans les mouaires, est-ce qu'il y a le, il y a ce numéro-là aussi? Oui, également. Vous voyez, je l'ai également pour la mouaire. Donc là, j'ai le 102. Et j'ai bien le 102 partout. 102 partout, oui. Oui, ils m'ont mis le même bain pour toutes mes pelotes. Voilà. Toutes mes pelotes ont le même bain. Donc, ils ont fait attention de mettre toutes les pelotes avec le même bain. Donc ça, c'est une chose à faire attention. Quand vous n'avez pas trop la... Si vous êtes débutant dans le tricot, les confirmés, normalement, le savent. Mais si vous êtes débutant, faites bien attention à ça quand vous achetez des pelotes de laine, que ce soit n'importe où. Hein, Fil d'Art, Bergère de France, Pingouin. Pingouin, je ne sais pas si ça existe encore. Action, Zeman, voilà. Ça, c'est sur toutes les pelotes de laine. Vous avez une petite référence. Et comme ça. Et ça, c'est le numéro du bain. Voilà. Donc, si vous prenez des pelotes, vous ne faites pas attention. Vous prenez, bon, là, c'est la 168. Et vous prenez une pelote, la 152, par exemple. Vous prenez 5 comme ça et 5 152. Ben, quand vous allez tricoter, vous allez voir qu'il y aura un petit décalage de couleur dans votre ouvrage. Voilà, donc faites bien attention à ça. Bon, ben, du coup, j'ai 10 pelotes comme ça, que j'ai oublié d'enlever de mon panier. Mais bon, ça va, de toute façon, j'arriverai bien à trouver quelque chose à faire avec. Je vais regarder sur le site les modèles qu'il y a avec cette laine là et je trouverai bien, je vous le dirai à ce moment là en même temps sur le site quand vous allez dessus, alors comment ça s'appelle, ah, je ne sais plus comment ça s'appelle, bon, vous allez sur la rubrique laine et vous avez notre rubrique petit budget, non pas petit budget, ah, je sais plus, je vous le marque là, là je vous le marque, donc vous cliquez sur ça et vous avez donc des lots de laine, bah, comme ça, par 10 à prix réduit, là, bon, ça va pas être 15 euros, mais bon, c'est quand je dis à prix réduit, parce que c'est des lots, par exemple, qui vont peut-être faire 20 euros, 25 euros, ça peut être 30 euros, 40 euros, mais c'est quand même à prix réduit par rapport au prix normal. Et dans cette rubrique-là, alors là, il faut être au taquet, j'ai regardé, mais j'arrive pas à être assez au taquet, je ne sais pas combien ils mettent de lots. Il y a les paquets mystères. Donc, c'est des paquets mystères de laine. Donc là, pour l'instant, ce que j'ai vu, c'était pour layettes. Donc, je ne sais pas s'ils font des paquets mystères pour adultes ou pour enfants. Donc, vous recevez un colis avec une trentaine de pelotes, je crois, pour... 30 euros, oui, donc ça vous fait 1 euro la pelote, mais vous savez pas ce que vous recevez, voilà, donc bon, peut-être à faire, je ferai peut-être une fois pour voir ce que ça donne, enfin si j'arrive à le choper, parce que je vous dis, les colis mystères, je pense pas qu'ils en mettent beaucoup,
Donc, il faut être à l'attaque sur le site pour le, pour le choper. Bon, si j'arrive à en choper un, j'aimerais vous le montrer, bien sûr, sur en vidéo. Donc, voilà, ben, je pense que je vous ai tout dit. Donc là, la veste, ben, je la commencerai une fois que j'aurai terminé le pull, hein, parce que là, je ne veux pas commencer deux ouvrages en même temps, il n'y a pas question. Je veux d'abord terminer le pull et ensuite je commencerai la veste. Pour une fois, je veux être raisonnable. Hein, je veux pas. J'en ai marre de commencer plusieurs choses à la fin, en même temps. Et puis après, je verrai. Donc pour cette laine Charlie, ce que je ferai avec. Je vais peut-être regarder pour faire un petit gilet ou un petit pull pour Chouchou. Plutôt un pull. Bon, les gilets, il n'en met pas beaucoup. Donc, peut-être un pull pour lui. Quelque chose de simple. De toute façon, lui, il n'aime pas les choses trop... Comment ? Trop compliquées. Lui, les pulls simples, ça lui va très bien. Donc, je regarderai si j'ai un truc avec 10 pelotes ou s'il m'en faut un peu plus, ben, je verrai. Ou à moins de prendre, par exemple, 2 pelotes. S'il me faut 12, je prendrai 2 pelotes marron pour faire un petit motif en plus dans le pull. Voilà. Bon, ben voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, je vous mets en barre d'infos le lien de, ben, de la boutique Fil d'Air pour celles qui ne connaissent pas encore. Je vous mets le lien ben, des deux laines que je vous ai présentées là aujourd'hui. Et je vous remets quand même le lien du catalogue. Voilà, celui-là. Et je vous mettrai le lien également de l'affiche de la veste que je veux faire. Parce que je crois qu'elle est en... On n'est pas obligé d'acheter le catalogue. On peut acheter que l'affiche pour cette veste-là. Je regarderai, mais... Donc, si je l'ai, je vous mettrai le lien pour acheter l'affiche explicative. Et je vous mets également les photos, comme d'habitude, dans la vidéo. Donc, peut-être que vous les aurez déjà eues, là, dans la vidéo. Sinon, je vous les mets à la fin. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.